tikje af voor Marianne Timmer uit Tinalo. Et où les Waratahs jouent leur match du Super 12. Les Waratahs, c'est la sélection à 15 de la province de Sydney. Patterson, le poteau du milieu, c'est fait. Alors, Fidji 14, Patterson 15, l'Écosse en tête. C'est l'Écosse qui est en quart de finale pour l'instant. Quel revirement de situation dans cette partie. On ne donnait pas cher à ces Écossais vu la première mi-temps. Et là, ils ont trouvé la formule magique, miracle, après le repos, grâce sûrement, bien évidemment, à lui, Ian McGuigan. Mise en jeu Little. Alors que le doute est en train de s'installer maintenant dans cette sélection des Fidji, qui ne sollicite plus Dao Dao comme en première mi-temps. Razila, Rolloni pour Little. Little pour Rabeni. Rolloni. Ruivadra. Rolloni. Koyama Bolé. Wabou, récupération Patterson. Dao Dao. Chandelle de récupération up and under, comme on dit ici. Oui, il la récupère, Dao Dao. Il est là, la réception. Ah, il fait tout. Ils sont échappés, les Écossais, là. Ah, il a du gaz. Il n'y a pas que lui. Dao Dao. Il y a Mabolé qui attend la balle. Et qui l'extrait. Pour Sewabou, maintenant. Wetayaki. Il guérit en position de demi-mêlée l'arrière des Fidji. Bloqué par Mother. Mather. Et position de hors-jeu et l'occasion peut-être de Little de refaire passer au score son équipe devant l'Écosse. 15-14 pour l'Écosse. Est-ce qu'on va la tenter? Est-ce qu'on va jouer la pénale touche? Allez, on va taper en touche. Prenez peut-être les points côté Fidji. Voilà, bien joué, monsieur Little. Il n'y avait pas beaucoup d'Écossais à la réception de cette balle. Dao Dao doit impressionner tellement. Il doit avoir le... Je ne sais pas quel produit utilise, mais il avait le même. Il a beaucoup du gaz tous les deux. Oui, oui, mais il m'impressionne. Il m'impressionne à tout point de vue, ce joueur. Ça m'impressionnait aussi. Et je comprends maintenant, je comprends mieux maintenant pourquoi les All Blacks voulaient à tout prix le sélectionner pour cette Coupe du Monde. C'est bien qu'ils sont restés avec les Fidji. Renforce cette équipe. Un peu le problème, c'était le grand débat ici à cette Coupe du Monde. Est-ce que la Nouvelle-Zélande n'est pas en train d'affaiblir les Samoa, les Tonga, les Fidji en sélectionnant les joueurs originaires de ces îles au prétexte qu'ils vivent en Nouvelle-Zélande? Little passe la pénalité et ce sont les Fidji qui sont en quart de finale à cet instant. Quel chassé croisé, 17-15, un quart d'heure de jeu. Ah, quelle fin de match ça nous promet. Dès qu'on vient dans le cas adverse, on met l'adversaire à la faute, on a 3 points à inscrire. Occupation du terrain, possession du ballon, Dao Dao, Little face à Patterson. Voilà les clés de cette rencontre. Patterson très haut sur la ligne des 22 mètres. À la réception, le deuxième ligne de la sélection des Fidji, celui qui a marqué l'essai contre la France d'Aevo. McLaren. Calf, attention contre. On va de récupération, Fidji. C'est un cadeau. Hein. Il y a le feu dans la défense écossaise parce que les Fidjiens sont dans les 22 de l'équipe d'Écosse. Avec Koya Mabolé. Koya Mabolé en force. Faut qu'il libère cette balle, Koya Mabolé. Eh bien, c'est les Écossais qui la récupèrent. Et Patterson, évidemment, le plus loin, loin, loin possible. Dans l'air de jeu, évidemment. Récupération. Tu l'as vu? Metcalf à la réception. Et à toi, à moi, Dao Dao pour Little. Little pour Rabeni. Ah, il a vu l'angle dégagé là-bas. Long coup de pied, la balle va sortir. Quelle fin de match, le chaos est pas loin. En vue dans l'équipe des Fidji. Alors là, je crois bien que c'est un échange de frères.
puisque Moses Rolluni cède la place à son grand frère Jacob Rolluni, dont je vous dis qu'on l'a sorti de sa retraite, qu'il était en train de passer au Fidji avec son ami Ted Tarikon. Ils sont super copains d'ailleurs, c'est vrai. Oui, il était... Je l'ai vu sur le site là. Il était loin de penser qu'il allait jouer cette Coupe du Monde quand on l'a appelé en renfort. Il était préparé d'ailleurs par Ted Tarikon, excellent entraîneur. Et finalement, le voilà, le vétéran 34 ans. Alors, il va tenir quand même un quart d'heure, votre ami Jacob Rolluni. En tout cas, on l'a pas fait venir pour rien déjà. Non, ça c'est bien. Ouais. Si c'est tu l'as vu, tu récupères. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a 17-15 et que les Fidji mènent en score. Tu l'as dit Thierry. Avec une remise en jeu, Pulock pour la sélection écossaise. Dans les 22 mètres des Écossais. Ce Pulock, le lancer est important. Voilà, bien White. Pris à deux mains, oui, par White. Oula, le ballon perdu. Pulock, le stress chez les Écossais. Reste en sous pression. Fébrile, mais les Fidjiens sont meilleurs. On a plongé, oui, on a plongé côté Fidjien. Ah, il y a toujours cet excès d'enthousiasme Fidjien. On saute partout, on plonge. Un peu foufou et voilà, on est pénalisé, il faut rester sur les pieds. Ça le coup s'est fait prendre. Patterson. Tout loin possible, hein. les Écossais, c'est simple. Hein. Ils essaient de renvoyer tout de suite le ballon dans le camp des Fidji pour essayer de provoquer une faute fidjienne. Peut-être n'ont-ils d'autres moyens. N'ont-ils pas d'autres moyens de revenir au score? Seule la patte de Patterson fait la différence à l'heure actuelle. On ne va pas lui demander de taper à 70 mètres des poteaux. Oui, tu as gagné la balle pour Bullock. Bullock pour Taylor. Taylor franchit la ligne médiane. Taylor pour l'équipe d'Écosse. Balle au sol. Red pass. En avant. Mauvaise passe de Red pass pour Patterson. Que Townsend avait récupéré cette balle. Mission gâchée côté écossais. Mêlée dans le camp des Fidji. Celui de McCallum. L'entraîneur fidjien, l'entraîneur néo-zélandais des Fidji. Le cœur doit battre du côté de Yann McGuigan ou de McCallion, les deux entraîneurs. Deux petits points en 12 minutes de jeu. Ah, il y aura de la tristesse et de la joie dans un camp ou dans l'autre. Oui, parce qu'une des deux équipes, l'équipe battue, rentre à la maison ce soir. L'Écosse qui a déjà perdu en 98 contre les Fidji, 26-51. Très nette victoire des Fidji à cette époque-là. Donc les Fidjiens savent qu'ils peuvent battre les Écossais. Mais on va encore changer là. On va appeler Salawa. Salawa à la place de qui? À la place de Sewabou. Salawa est joué contre la France. La mêlée tournée. Bien évidemment, on récupérera la balle côté écossais. Mêlée fermée dans le camp de la sélection des Fidji. C'est l'expérience qui paie à l'heure actuelle. Les Écossais en 12 minutes vicieux. Dans le temps. 12 minutes pour renverser la situation côté écossais. 12 minutes pour confirmer une qualification en quart de finale pour les Fidjiens qui mènent au score. 17 à 15. Les Écossais n'ont mené qu'une fois dans ce match. 15-14. Red pass pour Patterson. Henderson arrêté par Little. White. White encore. Qui avance. Red pass. Red pass pour Patterson. Patterson pour Townsend. Faut redresser. Townsend, voilà, c'est fait. Townsend cherche du soutien. Il est rentré dans les 22 mètres des Fidji. Red pass dans des conditions difficiles. Logan en avant. Oui, mais c'était pas un cadeau. Ouais, je crois que c'est McLaren d'ailleurs qui a fait cette passe. Eh oui, 21. Ah, on s'en veut les supporter. Pardon, c'est même les remplaçants écossais. Donc on voit la feinte de passe de Townsend. Oui, mais il lui manque l'accélération pour faire la différence après. Une tirelette de blessure d'ailleurs. Hein. Mêlée juste devant la ligne des 22 mètres des Fidji. Rob Russell, désolé de l'en avant. Rolluni, Jacob Rolluni cette fois.
tout Moses. Oui, il a tourné la mêlée côté écossais justement pour permettre à Redpath de défendre sur le 8 fidjien. Long coup de pied de Little. Hogan, rebond favorable. Hogan à suivre pour lui-même. Le ballon gagné par Oluni. Entre les jambes pour Dao Dao. Ah, Jean-Luc Amejan vous a concocté quelque chose dans cette action en fin de partie. Il nous a fait une fitienne là. Ah oui. Le Badra. Regardez. Hop, entre les jambes, voilà. Cadeau à Dao Dao. Heureusement qu'il n'a pas tapé très loin parce qu'il ne l'avait pas vu, il n'y avait personne là-bas au large avec sa vitesse, il aurait fait la différence, c'est Dao Dao. C'est dans le camp de l'équipe d'Écosse. Les deux capitaines, avertissement. Et gardons la discipline, il n'y a pas de problème jusqu'à maintenant, ce n'est pas l'enjeu qui doit tuer le jeu. Donc continuez comme ça, seul celui qui le mérite gagnera le match. Azila pour la remise en jeu à la touche. Oui, il a récupéré la balle, Salawa. On s'organise, on attend la faute. Côté fidjien, on veut mettre les Écossais à la faute. On reste dans le camp écossais. Oluni, Little, Rabeni. Jacob Oluni. Oui, Badra. Oh, il y a un bon décalage. Awaka. Oui, Babita. Awaka encore. Oh, Awaka qui échoue à 5 mètres de la ligne. Allez. Défense de Mather. Il est blessé, Awaka. Allez. Awaka, le miraculé, blessé. Regardez. Alors, vous avez vu la défense sur Dao Dao de Logan. Peu lui importe ce qui se passe, regardez. Il est parti sur Dao Dao, il s'enfuit. Qui le ballon ou pas, c'est lui le danger. Donc on va le prendre avec ou sans ballon. Voilà ce qu'a fait Logan. Il a coupé la course Dao Dao sans ballon. Awaka ici, la semaine avant la Coupe du Monde, je vous le disais, il souffrait d'un grave problème de dos et avait déclaré forfait pour l'épreuve. Bien la veille du match contre la France, il ressuscite. Et le médecin d'ailleurs de la sélection fidjienne avait parlé de miracle. Elle a des crampes à l'heure actuelle. Awaka. Dans les Fidjiens menaçants là. Et le temps travaille pour eux. Ils ont 2 points d'avance. Touche raccourcie par les Écossais. On a souhaité Grimes. C'est un contre, attention, hors-jeu. Ouais, position de hors-jeu. À l'occasion de sortir de la pression par Patterson. Pris par la patrouille que Yama Bolé. Touche au-delà des 22 mètres sur ce dégagement de Patterson. Et les Écossais sont encore dans leur camp. Et on sent la tension monter dans cette fin de rencontre. Et 8 dernières minutes du match. Ouais. Et 8 minutes à peine. Bullock. C'est pas comme un beau diable talonneur écossais. Patterson, touche trouvée, toujours dans le camp écossais. Donc les crampes maintenant, effectivement. Rawaka, oui. Les crampes sont en train d'affaiblir Rawaka. À moins que, l'expérience aidant, ce bon Iferemi Rawaka nous fasse un festival de crampes dans ces dernières minutes. Vous croyez que c'est pour couper un petit peu le rythme? Non, je ne crois rien du tout, moi. Non. Mais pourquoi pas, remarquez. Non, mais je me dis, il y a 2 points d'avance. Allez. Les Fidjiens sont à 7 minutes d'une qualification aux Coupes du Monde. Ça va bien énerver les Écossais parce que ça coupe le rythme. Ah oui, ça c'est sûr. Mais les Écossais n'ont pas de temps à perdre. Et des Écossais qui n'ont pas de temps à perdre, c'est comme des Écossais qui n'ont pas d'argent à perdre, mon petit Thierry. Ah, écoutez, on va faire confiance. En tout cas, c'est vrai, il revient. Et comme je ne vois pas, d'après Cédric Bourdou, de joueur remplaçant qui s'échauffe, ça veut dire qu'on n'a pas prévu de le remplacer. Donc ça serait tactique. Il n'y en a plus, ils sont tous entrés les autres, de toute façon. Allez, récupération fidjienne. Oluni. Little. Ouais. Boum, par-dessus. Dao Dao. Attention, il arrive. Mais le Ganella qui ne contrôle pas. Anabar récupéré devant, c'est pénalité, oui.
Quelle erreur écossaise. Il y a deux erreurs, celle de Logan qui a encore eu peur de Dao Dao. Mais il a... Après, il y a la faute. Ouais. Quelle erreur. Chaque fois que Dao Dao a suivi un ballon, jamais un écossais n'a capté la balle. Ouais, Metcalf a eu un peu de mal et c'est vrai que là c'est Logan qui échappe à cette balle.